les canailles, j'espère que vous allez bien. Ça y est. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de C'est la folie canaille, influenceur humoriste. Voilà une story qui va mal finir malheureusement vers la fin de la story. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez comme les canailles, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est remis, on a la puissance. Il y a la parole, il y a Avril, il y a Chico, il y a qui? Il y a Gori. Tu montres Gori avant, avant que je te frappe. Tu montres pas les autres, maman, tu montres Gori. Gori, c'est ta main droite, Gori, c'est ta couille droite, Gori, c'est ta couille gauche, Gori, c'est ta barbe gauche, Gori, c'est ton nez, c'est tes yeux, c'est tes oreilles. Donc tu montres Gori le premier où je te frappe. Maintenant, tu montres l'autre derrière. L'autre derrière. Bonjour, Chouba. Et à Chouba aussi. Et à Chouba aussi. Bon, les canailles. Je me suis assez reposé pendant 3 jours, alhamdoulilah, merci pour vos messages. Et là, on est tous en forme, là, juste regardez les snaps, suivez ce qui va se passer. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on est arrivé, les canailles. Écoutez-moi bien, là, j'ai une surprise pour vous de loco. Regardez, vous voyez là-bas, est-ce que vous voyez quelque chose là? Non. Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? On va faire du voilier. Écoutez-moi bien, je vais vous faire faire un truc que je suis sûr que vous avez jamais fait de toute votre vie. C'est bon ou pas? C'est quoi? Bateau là non? Ouais, hein? On a déjà fait du bateau. Ouais, mais vous inquiétez pas. On veut ça, mieux, on veut mieux. C'est un truc exceptionnel. Suivez-moi. Bah, montre-nous. Suivez-moi. Bouge pas, restez ici, restez ici. Allez, maintenant, rentrez un après l'autre. Fermez les yeux. Non, fermez les yeux, Cory. Fermez les yeux. Tenez-vous main comme ça. Chacun teint. Mais tenez-vous, vous inquiétez pas, allez tout droit. Vous inquiétez pas, tenez-vous. Gori, même les yeux fermés, il arrive à voir. Voilà, Gori. Tranquille, Gori. Avance doucement. Ça va être un truc de fou. Non, Gori, attention. Gori, non. Je vais attendre, Gori, attends. Venez de là. Sortez de là. Regardez ça, le canal. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un truc de fou. Canaille. Ça dit quoi cette bagnole? Attends. Mais c'est une bagnole, c'est un jet ski, c'est quoi? C'est une bagnole. Monte dans la bagnole. Bon, ok, je monte tout de suite. C'est une bagnole qui va dans la bagnole. Tiens le téléphone, Chico. J'arrive, mon pote. Il est chaud. Ouais. Monte, barbouze. J'arrive, mec. Incroyable. Assis dans la bagnole. C'est incroyable ça. Incroyable les canailles. Regardez, une voiture, c'est une voiture sur l'eau. C'est incroyable. C'est pas une voiture, c'est une bagnole. C'est une bagnole. Regarde-moi ça, Gori. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est une putain de bagnole, c'est excellent. C'est derrière moi ça. Ça riche ma vie en bagnole. Riche ma vie en bagnole. Pourquoi? Parce que c'est toi qui va prendre la bagnole. C'est moi qui va conduire la bagnole. Non, tu prends le volant, Gori. Oh putain de merde, tu vas laisser conduire la bagnole dans l'eau. Même si t'as pas le permis. Vas-y, enlève-toi, c'est pas grave, je suis dans l'eau. C'est dans l'eau, hein. Oh merde. Allez, mon Gori. Allez, on va faire voler Chico. Alors. Oh, doucement, non, attends. Ok, vas-y. Gori. Ouais. T'en penses quoi? Eh ben, je peux accélérer. Accélère, c'est bon. Doucement, mais t'es malade, Gori. Allez. Chico. Sportif, tu tiens bien! Il va bien te mener, on la bouée! Ouais! Pas mal doucement, mec! Attends, t'es malade, tu veux me faire tomber, mon pote ou quoi là? T'inquiète pas, je suis un pilote! Allez, canaille, c'est pas un truc de fou! C'est incroyable, une bagnole sur l'eau, Gori! Gori, regarde-moi, j'en reviens pas! Oh putain, moi j'en reviens pas de conduire une bagnole dans l'eau! Oh. Regarde, y'a des oiseaux, Gori! Y'a des oiseaux, je vais les chasser, rien de moi ça! Oh putain, je vais les prendre! Oh là là! N'enfonce pas dans les boîtes, Gori! Après, il va falloir faire un constat avec eux, Gori! Oh t'inquiète! Ouais, c'est à moi, on est bien assuré! Oh putain, regarde-moi cette bagnole! Putain, mais c'est une bagnole! C'est une bagnole qui va dans l'eau! C'est une bagnole qui va dans l'eau! Canard!
les canailles, là, aujourd'hui, vous allez avoir une offre exceptionnelle, incroyable, que vous venez de Nice, de Paris, de Marseille. Canailles, là, aujourd'hui, vous allez avoir une offre exceptionnelle, incroyable, que vous venez de Nice, de Paris, de Marseille, de tous les pays, de toutes les villes de France. Vous allez pouvoir vivre une expérience. Pas cher. Et incroyable. Et inoubliable. On est les meilleurs. Donc les canailles, regardez cette bagnole que vous voyez là. Regardez-moi ça. Franchement, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Et là, aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir la chance de le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à la base, il a baissé les prix, le frérot, parce qu'il s'est adapté et tout, etc. Tout ça. Et là, aujourd'hui, normalement, c'est 90 euros les 15 ou 20 minutes. Et là, ça va être 70 si vous venez et que vous faites Gorilla, moins 20%. Très important, parce que là, ça marche, le frérot. Ah, ça fonctionne. Écoutez-moi, dis-lui, dis-leur, Gorilla, dis-leur. De toute façon, si vous venez ici, vous leur faites pas Gorilla, moins 20%, tu vas leur faire ou pas? Non. S'ils te font Gorilla, moins 20%, tu leur fais 70. Donc, soit à partir de 70 euros. Au lieu de 90, 70 euros. Franchement, ma parole d'homme, c'est pas cher, un jet ski, c'est 70. Un frérot, s'il te plaît, je demande moi une faveur. Je veux pas d'argent, je veux rien. Je veux pas rien gagner sur quoi que ce soit. Je veux juste que quand les canailles viennent, que tu les mettes au max. On va les mettre au max. Au max du max. Arrêtez, on est en train de parler là. Vous êtes pas sérieux. T'as vu, on n'arrive jamais à faire un truc sérieux. Tu vois, je suis entouré de... Laisse tomber. Bon les canailles, sachez que quand vous venez ici, de la part des canailles, il va vous mettre au maximum. Et franchement, c'est un frérot. Il est très gentil, il est au top. Il n'y a même pas de mots. Merci mon frère. Voilà, il nous a mouillé, c'est bien. Bravo, c'est bien. Franchement, t'es un gamin. Quoi, je suis un gamin? Quoi? Tu vas leur faire gorilla moins 20%? Corrie, je te jure, le téléphone il a bugué. Non, Corrie, voilà, le téléphone il a bugué. On lui arrose la tête, comment c'est arroser la tête? Voilà, il a bugué. Une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul dans les Alpes-Maritimes à voir ça. Donc, si vous voulez faire ça, il faut passer par mon frère Julien. Et il va vous mettre au max. Franchement, Gori, avoue-le que c'est une expérience de loco. Putain, s'ils oublient pas le gorilla, moins 20%, ils seront au max. Écoutez, ouais. De toute façon, avec les canailles, on vous met toujours au max et c'est on essaie base. De vous arranger un maximum. Voilà, et on vous fait gratter tous les bons plans des canailles. Vous allez vous régaler. Sensation forte. Assurée. Sensation. Allez, soyez fort. Non, allez, soyez bon. Écoute-moi, improvisation. Sensation. Je suis le roi de l'improvisation. Des fous. Sensation sexuelle. Non. Bah, tu m'as dit merde, tu m'as dit d'improviser. Non, improvise. D'accord, bien. Alors on recommence. Exceptionnel. Sensationnel. Incroyable. Mashallah. T'es le meilleur. C'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation, c'est bravo. Un mot quand même. Bravo. Bravo les canailles. Voilà. Et... Bravo à Julien. Voilà, Julien, il est là. Qui a ramené ce concept ici. Voilà, magnifique. Et là, je vous montre comment on riche la vie. Et regardez-moi ça. C'est des malades. Moi aussi, je suis un malade. J'arrive. Attends-moi. Prends le téléphone. Viens, canaille. Riche la vie. Les petits là, hein, canaille. Oh putain, nouvelle activité. C'est un truc de fou. Attends, tu vas voir. Je crois attends, par... Non. Par contre, je suis mon copain pour l'autre. Et tu veux qu'il m'enlève ça, je sais pas, il se croit où. Regarde-moi cette pomme en plus, comme ça. Voilà, Wanda, il fait chauffer. Il croit qu'il est à la piscine municipale, le zin. Voilà. Il a position qu'il a. Frère, ça va le prendre pour un. On peut pas dire le mot, mais. Ça va, frérot? Ça va, tu vas bien? Tu vas bien? C'est quoi ça? Tu crois qu'on est à la piscine municipale ou quoi? C'est quoi? C'est cher de bain homologué, tu vois, selon l'homologation des règles AFNOR, des réglementations européennes, françaises, des réglementations européennes, françaises. Moi je veux du XXXL. Mais je veux avoir XL. T'es en train de nous dire un petit boule là. Laisse-moi là. Laisse-moi frérot, fais attention avec les X, c'est que trop de X, c'est pas bon, tu sais. Merci Jackie Michel.
Il est trop gros, non? Ah, il y a Bella et Oubelle, il faut mourir. Non, merci, madame. Ça veut dire quoi? Excuse-moi, ça veut dire quoi, Bella, il faut mourir? Ça veut dire, s'il te plaît, madame, ferme le truc. Je suis pas sûr. Henri, vous la main, c'est sûr? Hein? Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire chance et prospérité. Voilà, chance et prospérité. Donc, comment on dit en arabe, chance et prospérité? Bella, il faut mourir. Dites-lui merci. Merci. Oui, il faut lui redire. Tu dis merci, vous aussi. Tu fais comme ça, tu dis. Il a le zoukoum mok. Non, je me corrige. Non, tu veux pas. Oui. Ma mère aussi. Je veux merder du temps. Rentre le téton, c'est un mec. Non, mais je suis là. Non, il peut pas être sérieux, moi, avec ça. Non, quoi? Rentre le téton, c'est un mec. Vous partez à côté ou vous attendez qu'il est fini. Enfin, si vous attendez qu'il est fini, vous allez attendre un moment. Hein. Là, vous avez les zones de chaud. Ah, il va me perdre, lui, entre les besoules et puis l'escalade, non? Là, vous avez les zones de chaud. Ouais, les zones de chaud. Jacques, là, Yul Brunner. D'accord, Jason Statham. Ouais. T'inquiète, je vais le mettre bien pris. On a les cotons rap ce soir. Non, oh là là, on est des cotons rap, nous. Ouais, c'est incroyable. T'inquiète, je vais le mettre bien pris. On a les cotons rap ce soir. Non, oh là là, on est en 6ème. J'étais en 6ème. C'est en 6ème quand ça s'apprend. C'est ça, mec. Comment tu l'appelais, monsieur propre? C'est ça? Monsieur propre. Regarde, monsieur propre. Voilà. Les gars, amusez-vous. Oh non! C'est quoi ce saut là? Vas-y, Chico. Oh! Allez, vas-y, gorille, avec la casquette en bas. C'est quoi ce plongeur de gorille? Chuba, fonce! Wow! Mais quel professionnel! Attends, envoie le tel, je te filme moi comment tu fais. Ah, il m'a démonté. Allez, au tour à Mourad. Il a attrapé. Hey, Mourad. Ah ouais? Ouais, tu connais pas, regarde, moi c'est là, voilà, voilà. Contre lui, bam! Oh! Oh, malade! Oh, c'est Gori! Gori, attends, comment on fait? Non! Mais c'était malade! C'était malade! Qu'est-ce qui se passe? Arrête! Regarde, il m'a blessé! Tu croyais monter facilement? Bien sûr, tu crois m'arnaquer à moi, trop de puissance, mec! Tu rigoles pas, je suis en petit temps! Nage! Tu l'as tué! Alors, c'est quoi ça? C'est une bosse! Ça s'appelle la 69! Ça y est, il a la flemme! Non! Mais non! Vous avez fait tomber le moniteur! C'est pas bien! Gori, tranquille! Mais non, Gori! Mais Gori, t'as plus! Gori, arrête! Non, c'est bon! Non, il arrête pas! Ça fait 5 fois! Non, Gori, t'abuses! T'abuses, Gori! Gori, arrête! Non, c'est bon! Non, il arrête pas! J'ai eux, non! Gori! Il est là! Hey, il s'est changé aussi, Gori! Oui, je me suis changé! Gori, il a oublié le bouton, il fait chauffer! Ta mère, arrête de crier, tu me casses les oreilles! Ta gueule, je crie si j'ai envie! Vas-y, conne, j'en ai rien à foutre, Gori, sans rien du tout! Je dis que t'as rassuré! Ah! Ah!
Arrête Gori, c'est mort, voilà. Tu sais quoi, j'allais t'amener manger, eh ben je t'amène pas manger. Excuse-toi, si tu veux que je t'amène manger. Un méchant chapati, tu vas péter ta race. Tu vas devenir fou, voilà. Excuse-toi. Non, je m'excuse. Pour le chapati, je m'excuse. Pour le chapati. Ouais. Ouais, pour le chapati, je m'excuse. C'est bon. Pour le chapati, voilà. Merci, Gori. Non, ta gueule, ah pour tout à l'heure. Je recommence plus. D'accord, je recommence plus. On va se régaler. On va se régaler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as, Gori? Le chapati. Le chapati. C'était nouveau en plus. C'est quoi ce chapati? Je vais vous amener dans des endroits de fou, frère. C'est quoi ce chapati? Tu manges des trucs de fou. Viens, suis-moi, Gori. Oh. Regarde déjà là. M'a donné là la bouche. T'as bavé sur ça? Putain de merde. Viens avec moi, suis-moi. Oh. Suis-moi. Regarde-moi ça. C'est des nouveaux chapatis, mec. Écoute-moi, c'est des chapatis à l'américaine. Ça, frère. C'est moi qui fais ça. Arrête. Regarde des chapatis américains. Tout ça. On m'a dit qu'ici, c'était les meilleurs chapatis limite de France. C'est vrai ou pas? Ah, ce qui paraît. Hein? Mais excusez-moi, Al-Hajj, excusez-moi, Hajj, est-ce que c'est halal? C'est bien, moi, il a 35 ans, qu'est-ce que tu crois? Ah ouais? Ouais? Il a 35 ans, moi, il va bouffer des clés au lieu de laisser une barbe comme ça, bordel de merde! Arrête, t'es parlé! Ouais? Putain de merde! Mais moi, je lui dis, qu'est-ce qu'il fait? Il est encore jeune? La barbe, faut la laisser avant de mourir, bordel, pour qu'on rentre au paradis! T'es encore jeune, mais attends, Starfallah. Ouais, mais faut bien qu'il y ait des gonzesses qui viennent manger. Et alors? S'il y a des gonzesses qui viennent manger, il va être obligé de se raser la barbe. Mais non. Eh si. Au contraire, non, c'est ça, c'est son éthique, c'est comme ça. C'est un musulman, barbu, respectueux. Donc il y va, halal, c'est halal. Ah, mais du coup, c'est comme il a la barbe, c'est pour ça qu'il peut pas manger les lignes. Et le jambon et les lardons? Le jambon et les lardons qui vont en halal? Oui. Oh putain de merde, le gourou, il va tout manger aujourd'hui. Oh putain, qu'est-ce qu'il est en train de snapper lui aussi? Il snap, tu connais gourou? Eh oui. Bah alors t'as le droit de snapper si tu connais Gori. Dédicace à tous les mecs de 4 sur mer. Et tous les mangeurs de chapati. Et tous les mangeurs de chapata. Et tous les mangeurs de chakata. Et tous les mangeurs d'Arissa. Et tous les Tunisiens Felfel. Et les Marocains et les Algériens. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air pas mal. Abdel, qu'est-ce que tu nous as fait? Ouais. C'est chèvre miel, il y a un classique. Chèvre miel, chapati, chèvre miel. Chèvre miel. Chèvre miel. Mais j'ai jamais vu ça, mec. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non, n'abuse pas, toi, Gori, attends avant de manger. Et ça, c'est un classique tunisien. Ah, voilà. Ouais. Chapati. Tunisien, bon. On va goûter ça. On va se regarder. Et on va dire ce qu'on en pense. Ouais. Ok. Le pain est fait maison? Bien sûr. Magnifique. Tu veux quoi de mieux? Tout est fait maison. On commence par le classique. C'est pour moi, c'est pas classique. Le chèvre miel. Chèvre miel? Pour dire, j'ai l'impression de faire l'amour quand je mange ça. C'est pour ça que je ferme les yeux. Ah ouais? Ouais. Mmh. Et toi? Ah ouais. Classique. Classique, il est magnifique. Ouais. Voilà, on dirait Théo. Franchement, bravo. Écoutez-moi. Wallah, c'est la première fois de ma vie que je goûte un chapati chèvre miel. Et honnêtement, Gori. T'as vu, Gori, il avait raison. Gori dit tout est bon, mais là, exceptionnel. Du coup, il y a même des chapati burgers. C'est les chapa burgers, regardez-moi ça. Regardez ça. C'est le fils de chapati. C'est le fils de chapati. J'imagine. C'est incroyable. Mais j'ai une question. Quoi? Tu penses qu'il en faut combien, Gori, pour qu'il soit calé? Moi, j'ai une autre question. Gori, j'ai entendu Gori. Merci. Oh là là, ça, c'est pour moi. Moi, j'ai une autre question. Ouais. Comment ils font le chapati pour faire un gosse? Tu peux nous expliquer? Mais ils se chapatent. Bah, arrête. Ils se chapatent? Ils se chapatent comment comme ça? Chapati, chapati. Chapati, chapati. Et un gosse. Inch'Allah. On a très 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 bien mangé. Tu t'es régalé. C'est bon, je savais que Gori, tu valides. Oh là, Adem, je valide, c'est les meilleurs chapatis de la Côte d'Azur. Cannes sur mer. Ouais, ici, hein. Quand écoute-moi, sur les canailles, je vous mets le snap là, ok. Et on va vous mettre l'adresse, on va vous mettre toutes les coordonnées. Si vous voulez manger des chapatis de folie, de l'univers, chez le frérot. Attention. Les mecs, les nénettes, vous pouvez venir, c'est pas parce qu'il a une grande barbe que les nénettes... Ah, arrête, 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 arrête avec sa barbe. Laisse-le tranquille avec sa barbe. Abdel, excuse-moi, frère. Désolé, c'est Gori, tu connais Gori comment il est. Tu n'en veux pas, Gori. Non, t'inquiète, parce que même les gonzesses qui nous suivent, elles vont venir manger chez toi, Abdel. Alors tu fais des bons chapatis pour les nénettes, hein. T'inquiète. C'est bon, il m'a dit t'inquiète.
Voilà, okay. Hop là, un petit coup de barbe, hop là. Oh, oh. Oh là, c'est à Cannes-sur-Mer que ça se passe. Ouais. Dealer, dealer, Chico, hop là, bouge ton corps. Ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il, ça va-t-il ou ça va pas? Ta gueule. Oublie l'essentiel, gorille. Putain, ça c'est le plus important. Mais c'est grave, si on vient, qu'on fait... T'as compris? Alors écoutez-moi bien, les canailles, si vous venez chez le frangin, vous lui faites... Gorilla, 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 moins 20%. Ta gueule, toi. Hé, il s'appellerait Michel, tu dirais pas ça, hein? Ouais. Gorille, arrête. Ouais. Désolé, messieurs, dames, on est en train de faire une pub pour les frérots. Désolé, ça dure 2 minutes, ça y est, c'est bon. Bonne soirée, messieurs, dames. Ouais, oh, non, va te faire foutre toi, c'est pas bien. Arrête, c'est pas parce qu'il ressemble à Mahmoud Abbas que tu dois l'engueuler, connasse. Et ça serait Michel qui serait là, tu parlerais pas. Hein. Ah. Ouais, attends. On les connaît, les racistes. Tu vas descendre? Tu vas faire la bagarre avec qui? Mais tu vas faire la bagarre avec qui? Oh, avec ma maman! Oh là là! Non, Coury, arrête! Coury! Qu'est-ce qu'il y a, Coury? Oh putain, elle va m'énerver, cette connasse! Oh putain! Coury, tu veux ta gueule! Putain, je vais te transformer en gitan, on n'a rien à comprendre! Dis-lui, dis-lui, dis-lui! Putain, arrête tes conneries, j'ai un vibreur dans le cul! Oh putain! Oh là là! Ouais, descends si t'as des couilles! Non! Attends. Descends, salope! Non, arrête de courir! Oh là là, ta mère à poil devant Pôle emploi, connasse! Oh là là, il a terminé! Dis-lui, dis-lui, ta mère en slip de guerre, salope! Calme-toi, Gori! Calme-toi, calme-toi, calme-toi! Gori, respire! C'est une... La voiture! La voiture là! Oh! Et là, je vais puer, lave-moi! Je rigole pas, moi! Je rigole pas! Arrête, arrête! Elle est la voiture! Moi, je sais tout de suite la voiture! Elle est où ta voiture maintenant? Elle est où ta voiture? Dis-moi! Pardon, tu es énervé! Viens, pardon, tu es énervé! Oh là là, Adim! Mon jamais les visages, moi! Je m'en jamais les visages! Mais c'est lui! Je m'en jamais les visages! Je m'en jamais les visages! Cory, il est devenu fou. Hein? Moi, je rigole, moi. Touche pas à ma bagnole. Touche pas à ma bagnole. Elle a touché à la bagnole. Mais elle est folle, elle a touché à la bagnole. Quitte ma mère. Tu veux que tu touches à ta voiture, moi? Putain, tu jettes des œufs et t'appelles la police. Non. T'es conne, hein? Voilà. Il faut surtout pas toucher la bagnole à part l'autre. Regardez, ils ont mis un œuf sur sa bagnole. Ouais, mais imagine que ça soit la pointe de l'œuf qui tape le pare-brise et que je me fasse faire un truc et après je fais un bris de glace, après c'est mon assurance et tout. Moi, est-ce que moi j'ai touché sa bagnole? Un truc et après je fais un bris de glace, après c'est mon... Donc voilà, ça c'est très mal fini cette journée avec ses élèves canailles. C'était bien parti, tranquille, c'est parti en vrille. Bon, un peu comme tous les jours, en fait. Un peu comme tous les jours, il y a des embrouillés à la fin. Excusez-moi, c'est un rire. En plus apparemment, quand la femme elle a râlé, c'était à 22h, il s'est excusé gentiment. Et c'est elle qui insulte, après elle envoie des œufs, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle a envoyé d'autre. Voilà, ça se fait pas, franchement, ça se fait pas. Après, t'imagines, après tu pars en soirée, t'as un œuf, tu sens l'œuf. T'as, ouais, à la limite, à 10h du soir, ça va encore. Tu t'excuses en plus et tu te fais insulter. En plus, on touche au matériel des gens. Il faut pas toucher au matériel des gens. Des mots contre des mots, c'est tout. Voilà, il y avait aussi le truc là, les bouées, ça a l'air pas mal, c'était, comment ça s'appelle, Ninja Warrior, en fait, Ninja Warrior. Oh, punaise, et la voiture dans l'eau, oh, c'est trop, là, c'est la folie canaille, en fait. Voilà, une journée typique, une journée type de c'est la folie canaille, toujours des trucs incroyables qui se passent. Putain, excusez-moi, je rigole un peu. Oh putain de merde, oh putain de merde. Et l'autre par l'autre, il s'est genouiné d'un coup. Je sais pas, ils ont touché à sa voiture, les genoux, il est sorti de lui, ma parole. Oh punaise, punaise, punaise.
Donc voilà, c'était la story de C'est la folie canaille à Nice, humoriste, influenceur de la Côte d'Azur, Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Tchuss, à bientôt. Un truc et après je fais un bris de glace, après c'est mon assurance. Il faut surtout pas toucher la bagnole à part l'autre. Il faut surtout...